TDF installe son centre technique national de la fibre dans le Val d'Oise. Il concrétise l'engagement de TDF de s'ancrer sur le territoire de sa première délégation de services publics. Le département du Val d'Oise est le premier département en France qui a le bonheur d'accueillir un distributeur de fibres, un installateur de fibres qui est TDF. Donc c'est une vitrine et il était sous-entendu rapidement, il a été sous-entendu rapidement que TDF installait son centre national dans le Val d'Oise, puisque ce sont des liens forts qui se sont tissés au moment des signatures de contrat avec le SMOVON, le syndicat numérique du Val d'Oise. Situé à Cergy, ce centre opérationnel s'étend sur 430 mètres carrés et accueille une trentaine de salariés pour l'instant. En fait, c'est le lieu à partir duquel euh, tous les salariés qui vont intervenir sur le Val d'Oise, mais aussi sur les autres départements pour une partie, euh, donc au titre de la fibre, euh, se regrouperont euh, au titre euh, de nos réseaux d'initiatives publiques. Il s'agit des activités euh, de design, d'ingénierie il s'agit de nos activités de euh, contrôle, de mise en œuvre des réseaux. Et la mise en œuvre des réseaux de fibres optiques poursuit son chemin. Un peu plus d'un an après l'attribution de la délégation de services public Vortex, la fibre arrive progressivement dans les entreprises et les foyers valdoisiens. On ouvre la commercialisation sur les sept premières communes à compter du 1er juillet prochain. Donc euh, des communes qui sont déjà très largement couvertes par le réseau, même s'ils ne le sont pas forcément en totalité. Donc dès le 1er juillet, un certain nombre de valdoisiens pour 15 000 prises d'ores et déjà installées pourront souscrire des abonnements auprès d'opérateurs commerciaux. Cette commercialisation sera précédée de réunions publiques dans chacune des communes concernées durant le mois de juin.